Merde, il commence à faire jour. Wow, accepte, déjà... accepte les gens derrière là. T'occupes pas de virer des clodos là. Non, c'est un clodo. C'est un clodo. T'as fait rentrer un clodo. J'avais pas vu sa tenue. J'ai juste vu sa tête. Il avait une belle barbe. Ah, c'est vous la stripteaseuse. On est un vigile d'une boîte de nuit. Et du coup, il y a un mec qui fait la gueule ou qui est pas très poli. On lui dit hors de la boîte. Out of the box. Vous avez toujours rêvé d'être à la place du videur qui pouvait dire t'as des baskets, tu dégages. Et ben voilà, on peut le faire. 22h, okay. L'heure où faut pas aller en boîte sauf si tu veux de la place. J'avoue que s'ils sont déjà là à 22h, c'est tous des bouffons déjà. Bonjour, vous êtes tous des bouffons d'être venus à cette heure-ci, au revoir. C'est un clodo. Alors, c'est vachement sympa, les préjugés. Peut-être qu'il est très sympa, ce monsieur. Il a des vêtements sales et déchirés. Ok, donc les gens peuvent entrer, mais il y a des limites, c'est vrai. Les camés, les ivrognes et les clodos, on évite. Ok, tiens, nous on essaye de prendre des pincettes et tout, mais lui il s'en fait les couilles. Dégage-moi ce connard. C'est. Ah ouais, c'est là. Mais bon. Il est bien, ce jeu. Porte-bloc. Accès interdit aux drogués et aux clodos, accès interdit aux personnes en état d'ébriété, accès interdit aux personnes de moins de 21 ans, accès interdit aux handicapés, accès interdit aux cisgenres. Ça va être compliqué hein. Oui, tu peux alors leur parler, leur demander leur pièce d'identité pour vérifier leur âge, le taper. Le frapper aussi. Ou le dégager. Classe moyenne des gens normaux, quoi, ils constituent la majorité de la clientèle pauvre. Ils cherchent la bagarre, sont pingres et sentent souvent mauvais. Okay, on ce jeu dit que les gens pauvres, ils cherchent toujours la bagarre, ils sont pingres et ils sentent toujours mauvais. Alors, on est d'accord ou pas? Ça c'est vrai. Sélectionne un client et mets-toi au boulot. Donc toi t'es complètement rebou. Toi tu rentres pas du tout. Oui, plus la merde ta boîte là. Je ne pense pas que ce gamin ait l'âge minimal pour rentrer. Bonjour, j'ai 22 ans. Heureusement je me suis rasé à blanc ce matin. J'avais une très grosse barbe. Né en 1980 ou avant? On est en 2001. Ah putain on est en 2001, c'est un jeu rétro. Elle vide à s'impatiente, fais la rentrée. Vas-y, on va dire que t'as l'âge. Putain, on a même pas vérifié. Vas-y, t'as l'âge. Tout le monde a l'âge. Vous êtes mal maquillé. Avec plaisir, oh, et allez vous faire foutre. Regarde comment elle s'en va. Lui, il est né en 1830. Alors vous rentrez direct. Vous n'avez pas besoin de discuter. Toi, dégage, toi. Vas-y, mais toi aussi, t'as picolé, là, dégage. T'es grossophobe, t'as viré les deux gros. Et tu fais rentrer les minces. Ah bah t'as vu, elle marche comme ça parce qu'elle est grosse ou parce qu'elle est bourrée. Toi, toi aussi, tu dégages. Oh, putain, juste parce qu'il est un peu enrobé, c'est incroyable. À cause de la couleur de peau, c'est ça. Oh non, mais ça va. Ah, ils viennent te chercher parce que t'as viré les deux grosses. Police de la grossophobie, arrêtez-vous. Mettez votre compte Twitter sur le bas-côté. Arrêtez tout de suite ces tweets haineux. 17h22, 24 septembre 2001. Bureau des procureurs. Alors, tu en es où de ta recherche d'un boulot? J'ai trouvé quelque chose. Ah merde, ok, je te laisse faire cette voix magnifique. C'est pas un truc louche, j'espère. Disons que je dois juste m'assurer qu'il n'y ait pas de problème dans ma garde. Je vois, donc tu travailles de nuit. Ouais, voilà, un genre de boulot d'agent de sécurité. Il a 8 ans. Ok, nous avons obtenu, tu me caches quelque chose, tu vas pas cracher le morceau? Je voulais vous dire. Ou arrête, me prends pas pour une bille. Tu veux un conseil? Mentir à son agent de probation, c'est mal. Je suis nouveau videur d'un club branché du centre, The Box. Hein? Putain, mais t'as quoi dans le crâne? Tu vas retourner en tôle? On sait très bien tous les deux à qui est-ce que ce club appartient. Comme si j'avais le choix. Personne veut m'embaucher, un putain d'ex-tolar. Est-ce que Harry t'a demandé de faire des trucs louches pour lui? Genre une pipe? Pas encore, mais il y a toujours une fille pour me surprendre avec sa bite. Je ne rigole pas, Warren. Ce connard s'est payé la moitié des culs des flics et des juges de la ville. Prends-nous des petits mots. Si Harry te demande de faire un truc illégal au niveau du cul, aussi insignifiant soit-il à tes yeux, tu dois m'en informer immédiatement. Mais qu'est-ce qui vous fait croire que j'ai envie de me faire le cul? Je sais que ce n'est pas le cas, mais tu n'as pas le choix. Ok, je vois. Je peux y aller. C'est rien pour aujourd'hui. On se revoit le mois prochain. Ne fais rien que je ne ferai pas. Ok, protège-toi. C'est interdit les mallettes. Allez hop, ça dégage. Ah bah vous êtes noir et en plus vous avez une mallette. Allez hop, ça dégage. Noir j'aurais peut-être laissé passer mais la mallette, non, le règlement est très strict. Trop c'est trop. Elle rentre. On s'en fout là, c'est la saison. Voilà, rentre. À un moment, tu vas me dire on s'en fout alors à 12 ans. Allez hop, ça rentre alors. Ça a 15 ans mais ça rentre quand même. Oh, vos papiers s'il vous plaît. Hop, hop, parce qu'elle est grosse. C'est vraiment un sale con. Il y a une embrouille. Fils de pute, tu savais qu'elle était avec moi. Oh ça va, hein, ça fait plus de 2 semaines que vous avez rompu, lâche l'affaire. On allait se mettre ensemble, tu le savais en plus. Tu rigoles, elle s'est quasiment jetée sur moi, la salope. Et oh, on se calme là. Je veux pas de bagarre pour le club. Qu'est-ce que tu ramènes ta gueule toi? Va se filer. Ok, là il a insulté. Paf.
Putain, c'est quoi cette expédition? Ah, point laser. Allez, retournez chez vous. Faut mec, t'as pas le droit de mettre des pans aux gens comme ça dans la vraie vie, hein. Ah, oh, toi tu rentres. Bien. Quoi? Quand c'est des mecs, tu te mets propre. Prends leur carte, prends leur carte. J'en peux ça plus. Ça sent game over, mais comment voulez-vous? Merde. Ça me plaît qu'on se fait des misclics, putain. Ah, excusez-moi madame, mais bon... Oui, mais mon mari me bat, et bah je m'en fous. Moi j'ai plein d'eau dans mon dos et sur ma chaise. Et quand je dis de l'eau, c'est un euphémisme. C'est bien évidemment de la grosse sueur dégoûtante. Parce que moi, tu vois, avec ma clim... Avec ma climatisation, j'étais plus du tout chaud. Ah, la liste des VIP. Ah, cool. Alors, ils ressemblent à quoi les VIP? Vincent Sullivan. Oh putain, c'est leur nom qu'il faut retenir. Et genre, ils peuvent pas me le. Faudra qu'ils me le disent à l'oral en fait. Vincent Sullivan et Elisabeth Morgan, mec. Va falloir vérifier. Hop, toi. Oula. Oui, bon, tu rentres quand même. Pas beaucoup, Merde. Pourquoi? T'as foutu un pain dans la grosse. Oh non, fais chier. Le clodo Renoir, c'est quand même pas un VIP derrière. Je suis le maire de la ville. Elle, dégage. Dégage là. Quoi? Je sais pas. Damien? Allez, viens, vous rentrez avec plaisir. Allez, un sac à main! Merde! Non! Ça m'a paru tellement naturel! Ah putain, mec, tu t'es fait aveugler par sa beauté! Les meufs rentrent vraiment pas avec des sacs à main dans les boîtes. Dans la vraie vie, si! Mais pas dans The Box! Pas dans The Box, la boîte la plus huppée! Si elle est bourrée, elle est mineure! Elle est mineure! 80! Oh, ça se passe très mal, vas-y, prends la souris si tu veux. J'avoue, c'était tellement parfait le. Elle est mineure! Ton cerveau qui fait elle est mineure! Dégage toi avec ta bouteille! Oh non! Bah si, on a fait. Je viens de le voir, connard! C'est un peu plus évident qu'une mallette! Hé! Hey, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'est rouge? Il cherche la merde. Ouais. Parce qu'il est très énervé. Ouais. Oh putain! Tu sais quoi faire en beaucoup de points. Moi quand je panique, je mets un gros pas. Oh la madame, vous pouvez. Vous pouvez rentrer. Vous voyez que ça me va bien? Alors, madame, dis donc. Vous êtes ravissante. Je vais quand même demander vos papiers. Si vous pouviez donner un pourboire. On va parler un peu. Voilà, pas de bagarre ici. Hein. Bon. Pas de bagarre. Ok. Toutes les 4 semaines, tu dois payer pour tes dépenses personnelles. Putain, regarde, on a à peine l'argent pour le faire. Ouais, c'est un peu chaud. Putain, j'ai pas le choix. Regarde ce qui te reste maintenant. $75. Mais comment je me nourris? Quel gros bénéfice tu nous as fait, Damien. Mais nique ta mère, toi, faire rentrer des mineurs. Tu fous des pains aux grosses et tu fais rentrer des mineurs. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Ça, c'est ma fille. C'est ta gamine. Qui me coûte une fortune en pension alimentaire. Ça, c'est quand je prends mes trucs contre la diarrhée. Et ça, je pousse à la salle régulièrement dans le temple avec Thibaut. Ça, c'est moi qui me soigne pour la diarrhée. J'adore cette photo. Check les VIP vite. Oh putain, oh Vincent, Elisabeth, Ronaldo. C'est Ronaldo. Ronaldo. C'est seulement le footballeur. Tu vois, Renaud avec des grandes mains, c'est Ronaldo. Ronaldo, le footballeur. C'est votre femme. Oh là là, vous faites un sacré couple. Hein. Vous êtes bien loti, monsieur. Oh bah, votre femme est mineure, malheureusement. Elle doit partir, je suis désolé. Allez, à plus. Emmène-la à un bar à jus d'orange. Ce qui n'existe pas. Un bar à jus. La Oula. Soirée s'annonçait bien avant que je vois ça. J'adore taper dans les clochards. Bah, pourquoi il va taper un clodo? Discussion. Ouais. Et si vous voulez vous occuper de vos oignons. Point d'arrêt. Hey, c'est quoi cette punchline? Je peins un lampadaire. Ah ouais? Boum, voilà. Dans le lampadaire. C'est Ronaldo. C'est lui. Attendez. Et Ronaldo. Non, pas besoin de vérifier là, c'est bon. Oh, regarde. Mais toi, t'es venu en pyjama, toi. Mais dégagez. On dirait des momies. Mais pareil, toi, tu viens d'où? Casse-toi, SDF. Ah, on est dans le Bronx ou quoi? C'est quoi ce bordel, hein? Toi, mais... Oh, tu prends la place dans ma file d'attente. Non, mais dans le sens où... Grossophobe. Pas dans le sens où je vais la virer. Rien à voir. Oh putain, c'est Donald Trump. C'est le président. Une frontière bien protégée, une frontière sûre. C'est comme ça que j'ai fait un grand mur. A big great wall. Ronald Trump, je suis sur la liste des VIP. Le videur qui demande au président, et vous êtes qui vous? Bien sûr, comme tout bon américain, j'ai des papiers en ordre. T'aurais dû lui mettre un point dans la gueule. Tu lui as vraiment demandé ses papiers? Oui. Mec, tu veux que je fasse un truc héroïque? Un point dans la gueule. Dans le président. Quoi? Mais pourquoi? Parce que c'est mon droit en tant qu'américain. Oh, deuxième amendement. Boum. On va te faire la merde, mec. J'ai mis un pain à Donald Trump. On va être convoqué. Ouais, tu... Qu'est-ce que tu... Qu'est-ce... Oh merde. Warren, qu'est-ce que tu fous? La Maison Blanche vient de m'appeler.
Un type vient de grimper sur le bar pour se foutre à poil. Ah bah oui, les gens font ce qu'ils veulent. Hein. Oh, oh merde. Putain, on est convoqué direct. Vous voulez me voir, patron? Ouais, j'aimerais te dire un mot. Y a un mec qui a fait l'hélicobite sur le bar. Je crois que ça ne marche pas. Que voulez-vous dire par hélicobite? C'est-à-dire qu'il a fait tourner sa bite très très vite sur le bar. Je sais pas si c'est à cause de ces pilules que tu prends, mais tu travailles pas bien. Je me doutais que tu serais sans doute un peu rouillé après 3 années passées en prison, mais là, un mec qui fait l'hélicobite, c'est vraiment trop. Monsieur Steven, je vous jure que je peux m'améliorer. Moi aussi, je peux le faire, regardez. Si tu n'es pas capable de respecter les consignes de base, à savoir pas d'hélicobite, comment est-ce que je pourrais te confier à nos clients? Monsieur Steven, je vous en prie, donnez-moi une dernière chance de faire l'hélicobite. Arrête-toi, Arène, t'es ridicule. C'est même pas drôle, l'hélicobite. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Commence par sortir de mon bureau, tu es viré et dégueulasse. Wow! Mec, alors attends, ce qui est le plus drôle, c'est qu'on s'est pas fait virer parce qu'on a mis un pain dans la gueule de Donald Trump. On s'est fait virer parce qu'il y a un mec bourré qui a fait l'hélicobite sur le bar. Ils ont un sens de priorité à toute épreuve, ces gens-là. En partant, tu fais, eh bah de toute façon, j'ai viré Donald Trump de ta boîte de merde. Voilà. Elle, oh là, elle a pris quoi comme drogue? Je vois ce que j'ai pris en l'hiver. Oh, c'est la méga VIP. Vous rentrez tous les jours de la semaine, madame. Habillé comme ça. Vous pouvez même rentrer chez moi. On a pas fait rentrer quelqu'un d'important? Je crois qu'on s'est fait gauler. Je crois qu'en fait c'est un transsexuel, la meuf qu'on a fait rentrer, et elle fait l'hélicoptère avec sa bite. Ah oui, putain, c'est ça, elle la s'est fin fait passer pour... C'était une meuf. On s'est fait avoir parce qu'elle était grave sexy alors qu'en fait elle a un giga sexe. C'est Lise, elle a un giga sexe. Comment ça a été ce soir? Pas mal, je crois. Ça fait plaisir à entendre. Tu vois, aujourd'hui j'aimerais te présenter quelqu'un de spécial, une belle petite pute. Voici Lise, ma nana. Merde, je savais pas. Ah oui, on s'est rencontrés dehors, elle est grave bonne, un plaisir de vous revoir, Lise. Tant mieux, parce que tu la reverras assez souvent. Tout comme Vinny ou mes hommes, elle est toujours la bienvenue ici, pigé. Ne vous en faites pas, je suis une petite fille sage. Détends-toi, ma chérie, je contrôle la situation. C'est sa femme qui l'appelle ma chérie. Bon, et bien c'est tout, et la prochaine fois que tu l'appelles ma chérie, je te coupe la tête. Tu peux rentrer chez toi maintenant. Ah, c'est ma femme, mon ex-femme. C'est son ex-femme. Celle qui me prend toute la pension, cette pute. J'ai un boulot maintenant. C'est ta vie, Warren, je m'en bats les couilles. Mais je fais pas confiance à ce type, il a déjà ruiné ma vie. Crois-moi, Nicole, j'ai changé. Je t'aime. Ah non, je rentre. Je voulais lui mettre un poing dans la gueule à la fin, j'ai changé. Bam. T'inquiète, je suis le juriste, enfoiré. Il a parlé tout seul, il a fait. Je suis le juriste, enfoiré. Agathe, mes papiers. Mec, accepte le pourboire, non, le pourliche. 20. Vas-y, on garde là. Allez, laisse-le rentrer. Game over, mec. Il va faire l'hélicoptère. C'est Paris Hilton. Elle lui ressemble en tout cas. Ouais, je m'en souviens quand je m'enlève sur sextape, c'est vraiment elle. En VIP ou pas, tu passes. Tu passes avec ton petit chien là. Il est où votre chien? C'est pas vous. Bonjour, monsieur Baker, c'est toujours un plaisir de vous revoir. Ouais, en fait, je voulais justement aborder le sujet. Nous avons un petit problème. Le truc, c'est que vous n'êtes techniquement plus apte à border. Et je crains que le gouvernement soit vraiment plus enclin à courir les faits de votre traitement. Monsieur Baker, je peux plus vous donner vos pilules. Ah non. Mais j'ai un boulot, une femme à baiser maintenant. Un boulot stable. C'est pas couvert par ma mutuelle. Je crains que ce type de dépense ne soit pas pris en charge par votre mutuelle actuelle. Il doit bien y avoir quelque chose que vous pouvez faire pour me faire bander. Je comprends parfaitement ce que vous ressentez en ce moment, monsieur Baker. C'est dur de pas bander, mais je suis désolé. Il n'y a rien que je puisse faire. Oh putain, c'est génial, j'ai la bite molle. Absolument génial. Toi, tu cherches la merde. Tu peux laisser rentrer des meufs qui sont bourrées, elles peuvent pas faire les hélicobites. Ah, c'est bien vu ça, putain. Sauf attends. Si c'est Lise. Ah non, c'est Nicolas Cage. Bah, fais-le rentrer, bah c'est Nicolas Cage, mec, il rentre. Hein. Mais bon, je sais pas, c'est juste un pauvre type bourré. Ouais, bah, il a morflé, tu sais, depuis qu'il fait que des films de merde. Quoi, vous avez pas vu ma grand-mère? T'as fait un, il a fait un. J'ai retrouvé ma grand-mère. Merci madame. Il y a une embrouille entre deux meufs, laisse-les se battre. J'adore les bagarres de meufs, laisse-les. Sandra Jones, ça passe. Tu peux rentrer, ma belle. Y'a que des meufs dans la boîte, hein. Bah, tant mieux. Tant mieux, eh. Ah non, mon érection. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? C'est mon érection. Pourquoi tu fais ça, Warren? Ah non, pourquoi t'as... tu l'as abandonné? Putain, il faut mes pilules. J'entends encore ma bite dans ma tête. Je débute encore avec la gaule, va falloir encore un peu de temps pour prendre mes marques. Je vois. Harry t'a-t-il demandé de faire quelque chose de louche? Pas du tout! Ce club n'a rien de spécial, il est comme tous les autres clubs! Écoutez, j'ai pas choisi d'arriver là, ok? Si je pouvais, je préférais bosser n'importe où ailleurs que dans ce trou. Mais c'est pas possible! C'est trop... Ah pardon! Je me disais, pourquoi il a un changement de voix? N'importe où! Ah, ce trou! C'est si difficile que ça à comprendre!
Il va s'en frotter vos clés des cœurs, il s'est payé la moitié des flics de cette ville. Oh, t'es pas joué, moi, conneries! Et j'arrête de tout casser, moi, que je serai mort ou que j'ai du soleil! Écoute-moi, ou arrête, tu vas ralentir un moment. Non, vous allez ralentir! Actuellement, les seules choses qui comptent pour moi, c'est ma santé, ma vie et ma paix, ok? Si jamais je change d'avis et que j'ai envie de bander partout, et de te dire un petit mot à scout, je vous appellerai FG. On se reverra dans quelques jours, évite de bander. Oh, c'est une soirée hot! Oh, tu crois qu'il se passe quoi dans une soirée hot? Des hélicobites partout, ils sont autorisés. Alors toi, t'es un mineur qui veut se rincer l'œil, c'est ça? Voilà, bien joué! Tu l'as senti venir, hein! Ah, c'était pré-choc, toi! Toi, t'es un gros pervers, toi! Mariotte, voilà. Ah, c'est vous, la stripteaseuse! Oh, pardon! C'est encore moi, ta bite! J'ai mal, Warren, je suis si mou! Il est joli, ton sac! Pédé! Ton sac pédé! Ah bah si la boîte est pleine à craquer, tu pourras jamais faire rentrer celle-là. Oh le bâtard. Ah, et vous non plus, monsieur, désolé. C'est mon ivresse, c'est ça? Non, non, c'est pas l'ivresse. Oh. Oh. Coucou, Warren. Warren. Ah, tu fais ces deux personnages, moi je m'en bats. C'est l'enfant Alice, qu'est-ce que vous faites là, Zador? Eh bien, Harry est déjà rentré, mais je suis pas du tout fatigué. Alors, qu'est-ce que vous en dites? Il me semble qu'on avait parlé d'un petit hélicobite tous les deux. Ok, je suis juste un peu surpris, j'avais pas prévu de faire un hélicobite ce soir, mais bon. Moi si... Quoi? Moi si... Cool, et bien allons-y, bon chou. Une minute, vous voulez dire? Ici, oh, là, problème, l'hélicobite. J'ai un problème de bite. En plein vent. Vous avez l'air d'avoir pris le pli assez vite. Disons que je prends vite. Ah, j'aurais pouvoir en dire autant. Ça dure depuis un moment. Mais je me suis toujours pas habitué à cet endroit. Et cette bite qui tourne. Comment vous êtes monté ici? Si je peux me permettre. J'aime pas voir des couples se séparer. Je préfère voir des bites tournoyer. Ça c'est vraiment un truc. J'ai discuté avec vous, Warren. Vous êtes différent, votre bite est molle. Différent des types comme Harry, je veux dire, avec leur bite bien dure, quoi. Différent, en bien. Ouais, mou, c'est beaucoup bien. Mieux, mou, c'est bien, ça tourne plus vite. Bon, je devrais y aller. Mon ils fils va se réveiller dans quelques heures. Ils mettent même pas, ils y rentrent juste dans un, ouais, un vieux motel et ils font l'hélicobite. Ils se relèvent face à face, ils font l'hélicobite. Ouais, oh, il peut m'aider. Très bien ça, yes. Un docteur de la bite. Je suis heureux que vous ayez pu venir. Tout d'abord, je tiens à remercier de nouveau pour avoir pris ma défense l'autre jour. Cet enfoiré est un dealer et a essayé de profiter de moi pour obtenir des ordonnances de bite. À vrai dire, c'est à peu près la même chose qui m'amène. Oh bon. Oh. Alors déjà, comment vous appelez-vous et combien de centimètres fait votre bite? On a un peu zappé les présentations. Je m'appelle Warren, elle fait 18 centimètres. Ok Warren, expliquez-moi ce qui se passe avec votre bite. Bon, par où commencer? C'est très simple, je vais commencer par bander vous. Ça m'arrivait une deux fois, une petite panne de temps en temps, mais je m'inquiétais pas. Mais là, maintenant, impossible de bander. Impossible, vous dis-je. Je suis devenu complètement accro à ce foutu traitement qui me fait la vie toute dure. Et après ma libération, ils ont arrêté net. Apparemment, ma visuelle prend pas en charge ce genre de traitement. Du coup, je suis carrément dans la merde, quoi.